Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes seulement en TGA 33 430. Petit nappe. Aouli. Hey, il est ami. Pas fou de démarrer. D'accord. Comme vous voyez, il est un point dans l'image. Et je pense qu'il n'y a pas. Les amis, vous voyez là, on n'a pas le carburant qui vient à partir de là. Impossible d'avoir le démarrage. Donc ça, c'est électrovent de dosage. Normalement, c'est lui qui doit doser la pompe pour qu'il puisse injecter le gasoil à partir de là. On va d'abord vérifier ça. Donc, comme vous voyez, on a démonté l'électrovanne qui est là. On va le tester. Ah, premier contact, on va voir. Voilà, d'abord, j'aimerais vous rappeler, pour vérifier cette électrovanne, une fois que vous mettez le contact, ça doit résonner, il doit faire un petit bruit et là on ressent pas. Coupe le contact. Tu as coupé. Mets encore le contact. Ouais, c'est un peu faible. C'est un peu faible et c'est lui qui dose le gasoil. On va devoir changer ces électrovents là. Coupe le contact. Vous attendez le bruit là, c'est pas du tout normal. Donc voilà, voici le nouveau qu'on va monter. Comme vous voyez, voilà l'ancien et voilà le nouveau. Lui, c'est ça, l'air un peu mieux. On va le tester ensemble. Pas pour mes contacts. Voilà, vous attendez. Vous attendez le bruit. Ça, c'est tout à fait normal. Coupe le contact. Mets le contact encore. Voilà. Ça, celui-là, ça fonctionne très bien. Je pense que c'est ça notre problème. Coupe le contact. Ok. On va le monter. Parce qu'en effet, c'est lui qui dose le gasoil dans la pompe. Sans lui, la pompe n'a pas la pression de gasoil. Ok, voilà, on a fini de monter. Il faut brancher le fiche. Voilà, maintenant il faut pomper pour voir. Avant de monter ici, il faut être sûr que le carburant ça vient. Ça va? La batterie là même veut décharger. Je pense que je vais me dire 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 que je v
Vas-y, démarre. Démarre.